Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute petite vidéo très courte. C'est trois modes que je vais vous montrer. Enfin, mode, ça vient du workshop, c'est sans mode d'ailleurs. Mais c'est des créations de joueurs qui sont franchement très sympas jusqu'à incroyables. Vous verrez pour la dernière, le mec il a fait une fusée. Je vais pas vous spoiler, c'est juste incroyable. Je vais d'abord vous montrer la Mustang que j'ai trouvée. Voilà, si vous voulez la trouver, elle s'appelle juste Mustang Cabrio. Vous pourrez la retrouver si facilement sur le workshop. Déjà. Elle a une belle gueule, je vous montre un peu les connexions. C'est hallucinant, hein. On a les phares et tout. Elle est franchement jolie. Puis on peut naturellement la conduire, on est d'accord. On va freiner. Là, on peut ouvrir la porte. Ici, qu'est-ce que ça fait déjà? Ah oui, c'est le clignotant. Je sais pas si vous voyez clignoter en bas à gauche. Ça, c'est le deuxième clignotant de droite. Là, c'est les feux. Et là, c'est la radio. Puis on peut toujours faire le kéké, ouvrir le capot pour regarder ce qui se passe. Alors, je vais vous enlever un composant. Regardez, le mec s'est gavé, il a fait un petit truc comme ça. Elle est franchement jolie, quoi. Enfin, c'est les gars arrivent à te faire des choses incroyables, surtout avec ces styles-là. C'est franchement incroyable. Alors, je les delete à chaque fois, sinon ça me fait bugger le jeu. Ensuite, ouais, le mec a réussi à faire un mecha sans mode. Il est franchement classe. Alors, ça me donne carrément envie d'en d'en faire un. Vous voyez, regardez déjà, il est trop beau. Oula, alors il tient sur rien. Puis je vous montre les connexions, regardez. Incroyable, ouais, le mec t'a fait un truc de fou. Et puis quand on rentre dedans, déjà, quand on marche, on a la classe. On peut tourner. Puis je vais vous montrer un truc marrant aussi. Hop, pas de problème. On peut passer ça. Donc on peut faire des jumps. On peut tourner en plus. C'est franchement stylé. Je pense que là, c'est les débuts, hein. Les mecs, ils vont nous faire des trucs, mais hallucinants. J'essaie de prendre de l'altitude, voir ce que ça donne. Alors, ah oui, je peux tourner en même temps. Ah, je vais réussir, comme ça je fais. Non, faut pas que je fasse décoller la Falcon ici. Attention. Ouais, presque comme un boss. Presque comme un boss. On va la faire décoller là-bas, la fusée. Je pourrais la faire sur le champ, là, ici, mais hop. Salut! Non, non, je voulais la récupérer. Ah, parce que sinon, ça va me faire bugger. Voilà. On la récupère, on la delete, parce que sinon, vous allez voir que avec ce que je vais faire pop... Avec ce que je vais faire pop... Build. Hop. Déjà, vous vous dites... On va la poser, désolé pour le lag, mais ça c'est pas moi, c'est le jeu. Déjà, vous vous dites, ok, ouais, elle est classe, le mec. Il a fait un truc sympa. Ouais, ok, d'accord, c'est pas mal. Bon, maintenant, je vous laisse juste admirer. Donc là, elle décolle. Elle décolle vers l'infini et au-delà. Et pour le coup, pour tout vous dire, moi je l'ai lancé. Parce que je voulais vous trouver trois modes sympas, enfin les plus connus en tout cas là pour le workshop. Je l'ai lancé, j'ai fait un alt-tab et je me suis dit, ok, ouais, non, si, c'est sympa. Le mec, il t'a fait une fusée qui décolle, en plus, elle a un beau look. Pourquoi pas? Puis après, je suis sur le sim workshop, et donc j'ai encore le casque et j'entends des bruits bizarres. Et là, vous voyez que ça se sépare ou pas? Et là, moi, je reviens en jeu. Et je me dis, non. Non, mais le mec, il a quand même pas fait ça, quoi. Il a quand même pas fait ça. Et puis si, vous allez voir... Elle se sépare, rétropropulseur. Et voilà. Non mais sérieux. Sérieux. Non mais c'est pas incroyable. Alors, attendez. Forcément, il y a l'autre qui va revenir. Alors au début, moi quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit ah, elle va se péter la gueule. Elle va se péter la gueule. Non, elle tombe pas quoi. Mais j'ai trouvé ça trop classe. Sérieux, c'est juste trop classe. Alors, faut vraiment regarder comment ils l'ont fait. Je peux vraiment pas vous dire, je me suis pas penché sur le cas. D'ailleurs, regardez, c'est relativement aléatoire, j'ai l'impression, parce que les deux là sont plus proches. Mais c'est stylé, quoi. Ah, je peux la relancer. Ok, on peut la relancer. Énorme, je savais pas ça, par contre. Hein. Toi, je pense pas qu'on puisse te lancer. Non, on peut pas. Voilà, en tout cas, c'était tous ces petits bots que je voulais vous montrer, que je trouve bien sympa, que vous pouvez télécharger sans problème. Si jamais vous en avez... N'hésitez pas à me les faire partager, m'envoyer un petit MP sur YouTube et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'était cette petite vidéo juste pour le délire. Allez, ciao ciao.